Stars together. Oh, it's not. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors est-ce qu'il y a du monde déjà dans la salle ouais. Merci d'être là un jeudi soir avec nous. Alors on commence ici en, en salle micro pour cette septième édition de la Nuit Blanche des chercheurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus les années précédentes. Je fais un sondage à main levée. Ouais. Alors vous allez voir, on a des outils technologiques vachement plus euh, perfectionnés pour euh, faire cette opération. Euh, J'ai le plaisir d'être avec vous jusqu'à 21h15 ici dans la salle micro. On va avoir euh, plusieurs formats de conférences euh, qu'on va vous proposer avec différents modes d'interaction. Et ensuite, vous aurez une performance ici même, sur scène. Euh, J'espère que vous serez là pour la, la découvrir. Moi, j'y serai euh, en tout cas. Euh, la nuit blanche des chercheurs, c'est Astéréolux euh, ici, avec plein d'ateliers et de conférences. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les Science euh, Dating juste en face. Vous pouvez discuter avec plein de chercheurs. Mais c'est aussi à la Alcis. Vous avez plein d'ateliers et euh, plein de propositions art-sciences qui sont proposées là-bas. Euh, voilà, euh, Allez-y pour moi, parce que moi je suis bloqué ici euh, malheureusement, mais euh, vous me raconterez si, euh, si vous pouvez y aller. Il euh, y en a vraiment pour, euh, pour tous les goûts. Euh, cette soirée ne serait pas possible sans Nantes Université qui a... Euh, attends, qu'est-ce que je fais Rendez-vous dans quelques minutes. Non. Alors attends. Voilà, c'est là. Tout à fait. Euh, ça ne serait pas rendu possible sans Nantes Université qui l'organise chaque année maintenant, donc depuis 7 ans, en partenariat avec Stéréolux euh, et euh, la région des Pays de la Loire, le Fonds FEDER, Nantes Métropole et la ville de Nantes qui euh, permettent la, la réalisation de cet événement. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter le, le premier format qu'on vous propose euh, ce soir, l'objet de marchère. Vous avez vu qu'on a une petite scène là juste à côté euh, pour vous proposer un petit jeu. Alors pour pouvoir jouer, euh, est-ce que vous avez des téléphones portables dans, dans vos mains, ouais. Alors, euh, c'est impoli normalement de les sortir alors que euh, je suis en train de vous parler ou qu'un chercheur est en train de vous parler. Mais là, vous pouvez le sortir euh, si vous l'avez euh, et flasher par exemple ce petit euh, flashcode. Ça permettra de pouvoir jouer avec nous ce soir. Je vous laisse quelques minutes pour le flasher. Si jamais vous n'êtes pas très flashcode, je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur truc. Euh, vous pouvez aller sur wooclap.com. Voilà, c'est marqué en bleu juste là. Et vous avez un petit code NBC, nuit blanche des chercheurs, 23, parce qu'on est actuellement en 2023. Voilà. Vous pouvez rentrer ce petit code. Est-ce que ça a l'air de marcher de votre côté, ouais? Alors, euh, je vous propose de répondre à une première question euh, difficile. Qui anime la soirée de ce soir euh, Batman, Bob l'Éponge la reine des neiges ou un autre mec. Voilà. Vous pouvez répondre en live. Et vous voyez que normalement la technologie fait que on peut voir. Voilà. En ce moment même. Voilà. Je, ouais, je suis content quand même de ne pas décevoir trop, trop les gens. Bruce n'était pas disponible. Bob non plus. Elsa non plus. Donc euh, je suis désolé, c'est moi. Parfait, maintenant que vous savez jouer, je vais vous montrer la première conférence. Alors le but du jeu, ça s'appelle la multi-homique, l'étude de la symphonie de l'ADN. Et à votre avis, quel est l'objet que va choisir le chercheur dans cette petite scénographie pour être support de sa conférence de ce soir Alors vous avez le choix entre le microscope, le tambour. Le pupitre ou le bain-marie Voilà, nous vous laissons quelques secondes pour choisir. Nous voyons les, les résultats en live s'afficher. Le microscope, le tambour. Le microscope est en tête avec une petite remontée du tambour. Je vois que ça se stabilise. Remontée du tambour, remontée le pupitre, le pupitre passe. Voilà, C'est pas mal, je vois que vous votez encore. Alors je ne veux pas casser votre, votre entrain. Le microscope, prendre l'avance qui a parié sur le microscope Voilà, on est passé au microscope. Je pense qu'on est arrivé au bout. Eh bien, c'était le pupitre. Euh, voilà, je vous le dis. Euh, et je vais pouvoir laisser la parole à Martin Morin qui va vous pouvoir vous présenter son sujet de recherche à partir de cet objet. Merci beaucoup. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements pour lancer cette soirée. Ça lui fera du bien. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, euh, ce soir, j'ai l'honneur de commencer donc euh, ces présentations donc par euh, la multiomique, euh, l'étude de la symphonie de l'ADN. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le sujet de la multiomique, euh, ne, ne partez pas avant euh, de savoir ce que c'est. Donc, euh, qui suis-je donc, euh, j'ai fait euh, un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'université de Sherbrooke, euh, au Canada, euh, sur l'étude euh, du lien entre les oestrogènes et la protection contre l'obésité. Euh, C'est dans ce doctorat en fait, que j'ai pu commencer à, à m'introduire aux différentes omics que je vais vous présenter derrière. J'ai pu faire un premier postdoctorat dans la suite de cette, de cette recherche, toujours dans le même la, la, laboratoire. Et enfin, je suis retourné en France pour mon deuxième post-doctorat, donc à Nantes-Université, ici au CHU, au CRDTI exactement, pour travailler sur le rejet de greffe dans la transplantation rénale. Donc, dans un premier temps, que sont les omics Qu'est-ce Qu que c'est que, que ça Donc, euh, premier point, euh, je pense que c'était ça, oui. Petit aparté, euh, ce n'est pas une erreur. Cette personne a bien trois reins, puisque c'est quelqu'un qui a reçu un rein. Et euh, lors de la transplantation rénale, euh, non, nous ne retirons pas les, 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 les reins des patients. Et en fait, on en ajoute un euh, en plus qui est provenant d'un donneur. Fin de l'aparté. Donc, euh, que sont les homiques Donc, Omic, ça vient de... Euh, en fait, c'est un suffixe. Le om est un suffixe qui vient de... Euh, de c'est une racine grecque, de, du grec ancien, qui, veut, qui est utilisée à l'heure actuelle en biologie. <laughs> Je n'ai plus de... <laughs> voilà, c'est bon. Les trois hein, c'est bon. <laughs> Euh, donc, ça vient du, de l'ancien grec, donc c'est utilisé actuellement en biologie pour signifier en fait l'entièreté d'une euh, molécule euh, au sein des cellules. Donc, si on prend par exemple là en zoom dans une cellule rénale, on va prendre euh, ici dans le noyau des cellules, donc on va avoir l'ADN euh, ici marqué en vert. Dans l'ADN, on va avoir les gènes. Si on parle de l'entièreté des gènes, on va, on va parler de géno génome. Donc là, on commence à voir apparaître le suffixe OM. Et si on veut parler de l'étude du génome, eh bien on va parler de génomique. Ça, c'est une omique. On peut parler après des ARN qui ont été assez popularisés ces derniers temps. Euh, les ARN dans la cellule, en biologie, sont appelés les transcrits. Euh, pourquoi les transcrits C'est parce qu'en fait, ce sont des copies de bouts d'ADN. Donc, c'est une retranscription directe de l'ADN. Donc, on appelle ça des transcrits. Donc, euh, les transcrits, si on prend l'entièreté des ARN, on va avoir le transcriptome. Et si on étudie l'entièreté de ces ARN, on a la transcriptomique. On peut passer à, à d'autres euh, omics. Donc, du coup, pour les protéines, on a le protéome et la protéomique. Et après, on peut aller sur différentes choses. Donc, là, j'ai mis par exemple des métabolites. Les métabolites, on appelle après pour l'entièreté des métabolites le métabolome. Et enfin l'étude de l'entièreté euh, métabo, euh, des métabolites, c'est la métabolomique. Donc on voit qu'on a différentes euh, parties dans la cellule qui ont, qui ont été décomposées par les, euh, par les chercheurs au cours des années. Et la recherche, ces 15-20 dernières années, en fait, concentré sur, se concentre généralement sur une seule omique. Donc une seule de ces parties, donc soit la génomique, soit la transcriptomique, soit la protéomique, pour étudier par exemple un phénomène comme une pathologie ou, euh, ou autre, euh, autre, autre, autre trait dans, le, dans, euh, dans la cellule. Euh, le, le souci, c'est qu'en fait, il faut voir plutôt ces omics pas comme étant séparés, comme elles sont étudiées, mais plutôt comme, comme, comme étant... Euh, rassembler les unes avec les autres, comme si elles interagissaient ensemble, comme si elles vibraient ensemble. comme dans, euh, Imaginons dans un orchestre, où on peut imaginer un homique, une homique qui peut être le chef d'orchestre, une homique qui peut être les, les violons, une homique les clarinettes, une homique les percussions. Et en fait, euh, en regardant euh, ces différentes omics, ces différentes omics en fait, interagissent les unes, en, en, les unes avec les autres. Et puis si on prend donc, ce, cet exemple par exemple de, de, de cellules euh, saines, eh bien, on, on, on se rend compte que euh, ces omics interagissent, interagissent parfaitement ensemble et forment une mélodie harmonieuse euh, dans la cellule. Euh, le problème. ah si, c'est passé, c'était passé, c'est, euh, imaginons un cas euh, pathologique, par exemple, de, re, de, de rejet de greffe. Eh bien, en cas de rejet de greffe, imaginons euh, un, un instrument va, va, va poser problème, va être désaccordé, par exemple, imaginons dans, 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 ce, dans, dans cet exemple-là, eh bien, en fait, il va affecter, les différents, les, différentes, euh, les différents instruments qui vont, être, qui vont être autour. et ça ça va rendre la mélodie en fait de, euh, de la cellule désharmonieuse. On va avoir euh, dans, un atolo, dans, dans ce cas pathologique on va identifier ces, ces différentes euh, ben, en fait dans les différentes omics on va se rendre compte que il va y avoir des synchronisations de, ces, de, 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 de ces harmonies. Ce que ça donne, c'est que, euh, qu'est-ce qu que peut amener euh, la, la multi là-dedans C'est que si on étudie chacune homique séparément, on va avoir juste une pièce du puzzle séparée qui va, qui, qui va nous donner, ok, une clé pour comment commencer à comprendre ce qui se passe dans les, dans les cellules pathologiques, mais on ne va pas comprendre l'entièreté de la chose. Si on part dans la multi on va on va commencer à comprendre qu'en final, c'est la clarinette, par exemple, euh, la clarinette 5 de l'orchestre, le violon euh, 3 de l'orchestre qui vont avoir des problèmes. Et donc, du coup, ça va nous permettre de gagner en, en puissance pour aller chercher ces euh, ben, quels instruments posent problème. Et ça, ça va nous donner euh, une identification potentiellement de la cause, de, euh, ben, par exemple, la cause d'un rejet, ou de comprendre au moins le mécanisme sous-jacent. La multiomique permet comme ça, en fait, d'identifier si on a identifié, par exemple, que c'est le violon ici, que c'est la clarinette ici, ben, ça va nous permettre de définir des cibles potentiellement de traitement. Donc, on va pouvoir utiliser après en clinique pour essayer d'aller voir est-ce qu'on peut modifier ces choses-là pour améliorer euh, les, euh, les, les, euh, le statut des patients. Euh, on peut aussi, en identifiant certains, certains, si on a identifié un violon qui était particulièrement euh, affecté pendant un rejet de greffe, par exemple, eh bien, ce qu'on peut, ce qu peut, ce qu peut euh, se dire, c'est que, ben, on va aller chercher euh, ce, ce violon-là en particulier chez les patients pour savoir est-ce qu'ils sont en train de faire un rejet ou est-ce qu'ils sont pas en train de faire un rejet. Et enfin, un, der un dernier point, c'est qu'on peut potentiellement, avec, ces, euh, avec ces, euh, cette idée-là, aller identifier euh, des, euh, en fait, des instruments qui sont altérer bien avant l'apparition de symptômes chez des patients et donc se dire qu'on pourrait commencer à prédire un rejet qui arriverait dans le futur grâce à, ces, à la modification en fait, de ces instruments. Donc, cette slide était pour vous introduire en fait, à la multiomique. et pourquoi je voulais vraiment faire euh, cette introduction à la multiomique devant vous ce soir. C'était parce que... Ce sont des recherches qui, donc, comme je vous disais avant, utilisaient donc des homiques séparés. Et maintenant, en fait, la recherche à l'heure actuelle tend à, à utiliser beaucoup plus euh, ces multi Et en fait, on commence à avoir, sur le, dans, en, en recherche, beaucoup de, euh, de mécanismes, beaucoup de cibles de traitement qui commencent à être identifiées grâce à ces, à ces analyses qui sont plus euh, globales et intégrées. Donc, je voudrais quand même euh, utiliser euh, aussi cette plateforme pour remercier tous les, euh, tous les euh, personnes. Donc, euh, la recherche, c'est une, une équipe. Donc, euh, l'équipe du CR2TI, l'équipe 3 en particulier euh, dans laquelle je suis. Les cliniciens qui sont impliqués en fait, dans mes projets, donc, euh, dans, dans le, les, les projets de, euh, de greffe, de transplantation rénale. Et enfin, les organismes financiers qui sont indiqués ici, parce que sans eux, en fait, il n'y a pas du tout de recherche, on ne peut pas du tout euh, avoir accès à, à des tissus à, à l'hôpital, on ne peut pas du tout les, les, les analyser, et donc euh, un grand merci euh, pour eux. Donc, euh, et je vous remercie aussi pour votre attention, et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je lui ai posé la question avant de ce qu'était la multi-homie, qu'il n'a pas voulu me répondre, maintenant je sais. Euh, est-ce que quelqu'un a dans la salle une question qui, depuis le début de cette intervention, le taraude euh, ou, une, ou une petite question qu'il ne qu taraude pas trop, mais qu'il qu aimerait bien poser C'est jamais facile la première. Alors, est-ce que, est que tu as travaillé sur de la, de la génétique euh, D'abord ou c'est des questions qui viennent de problèmes de, de, sur la grève sur la médecine. En fait, le laboratoire dans lequel, euh, le laboratoire que j'ai intérêt, travaille dans un premier temps sur la génétique. En fait, la, gé la, euh, la génomique de, euh, des transplantés rénaux et, euh, et en fait le, 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 le but c'est qu'il faut, faut imaginer la, la génomique euh, l'ADN qu'on a dans les cellules. En fait, il y a très très peu de, de quantité de, cette, de cet ADN qui euh, donne qui, qui, qui est, qui est euh, impliqué dans les gènes en fait c'est de l'ordre de 2 ou 3%. Il y a toute une partie qui code pas qui c'est euh, pas, euh... pas qu'on ne connaît pas. ce sont des parties qui en fait qui, euh, qui, qui interviennent dans la régulation euh, des, des gènes. Et en fait toutes ces parties là, en fait on, on connaît très peu de choses sur ça. Et donc, du coup, l'intégration des données donc, génomiques qu'on a dans le, dans le laboratoire avec des données, euh, donc, par exemple, d'ARN et de protéines, comme, comme je viens d'indiquer ici, ça permet d'identifier ben, OK, on a quelque chose qui est en dehors des gènes. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut toucher, puisque c'est une région, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et en fait, ça commence, avec l'ARN et les protéines, à nous donner euh, des, une idée de à quoi peut servir cette région dans le, euh, dans le génome. Et donc du coup elle peut affecter, elle peut être reliée finalement à tel gène et à tel gène et donc du coup c'est comme ça qu'on peut répondre commencer à répondre aux questions de génomique qu'on qu 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 se pose en fait. Je vous laisse une deuxième occasion pour une question peut-être. Oui. <laughs> On en a deux. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, fait vous diriger euh, vers ce laboratoire en, en particulier dans, dans votre cursus euh, professionnel du? C'est ah, ben, tout, tout bonnement le sujet. Là, en fait euh, euh, depuis, euh, depuis que je suis en recherche, en fait j'ai travaillé euh, particulièrement en collaboration avec les hôpitaux sur des, euh, sur des sujets de, de, euh, de, de, de santé humaine en fait. Et, euh, et le fait d'avoir un projet qui combinait en fait les euh, donc c'est ce qu'on appelle en fait la bioinformatique c'est les outils qu'on utilise pour analyser les différentes ces différentes omics et, euh, et dans la santé humaine c'est ça qui m'a poussé à aller plus particulièrement dans ce laboratoire. On aurait pu avoir une réponse avec son chat qui était malade <laughs> du coup il s'orientait pour le sauver mais bon, la réalité Madame vous avez une question aussi. Bonsoir. Euh, simplement, je voulais savoir, euh, vous analysez les, les données à l'intérieur des reins vivants ou, des, ou du rein euh, inutilisé quoi Alors là, j'ai plus, euh, plus montré une cellule rénale, mais en fait, euh, mon, mon sujet se porte plus sur le, euh, sur le sang en fait des, euh, des, des patients. Et, euh, et en fait, c'est une bonne question parce que c'est pour ça que euh, quand je disais l'identification de de tel ou tel violon euh, qui pouvait être euh, impliqué dans, dans le rejet. En fait, à l'heure actuelle, euh, la seule manière qu'on a pour euh, identifier une, un rejet de greffe, c'est d'aller prendre un bout du, euh, du rein pour vérifier si le rein est en train d'être rejeté ou pas. Et c'est une, une, euh, une technique qui, euh, fait, qui, qui est douloureuse pour le patient c'est une technique qui peut affecter euh, la fonctionnalité du rein. Donc, c'est des, des choses qu'on euh, qu essaie de limiter au maximum. Et en fait, le fait d'utiliser le sang, c'est le but, c'est justement d'utiliser un, un tissu qui est bah, juste une, prise de, une simple prise de sang pour pouvoir savoir si euh, le patient est en train de rejeter son rein ou pas. Et c'est justement euh, ça. Donc j'utilise le sang plus particulièrement. Il reste peut-être 10 secondes pour une dernière question. Si jamais, madame. Alors, bonsoir. J'aimerais savoir sur le schéma que vous nous avez montré pourquoi il y avait trois reins et pas deux. Du coup, j'ai pas compris. Alors, c'est ce que j'ai essayé de, de dire, c'est qu'en fait, les, les patients qui sont les transplantés rénaux, on ne leur retire pas les reins pour un, pour un, pour un, pour un transplanté un, pour gagner un maximum de, de capacité de filtration, en fait, des reins, les deux reins natifs du, du patient sont restés et en fait, un rein d'un donneur est ajouté à ces deux reins. Ouais, Donc c'est le... pour ça vraiment qu'il y avait deux, il y avait trois reins sur cette, euh, sur cette figure. Il ouais, faut le répéter, je vais le répéter encore une fois parce que c'est assez difficile à imaginer. Les personnes ont deux reins et qui, et qui ne fonctionnent pas assez bien, du coup, ils, on leur en rajoute un. Il prend pas la place d'un organe déficient. On le rajoute. En plus, il y a d'autres organes comme ça qu'on peut greffer en gardant les organes originaux. Je crois pas je parce que un bras par exemple, pas, si jamais, non, oui, c est, c est <laughs> non, serait, ça serait non, bizarre. Non. Euh, non, je ne pense pas, je ne, ne pas pense, pas, je un ne pas, pas, pense pas. Un cœur, des deux cœurs, ce serait trop cool. Je, non, je, je, non tu, on n'aura pas deux cœurs. <laughs> bon. On va réfléchir à tous les trucs <laughs> qu'on aimerait en triple ou en quadruple. Je vous laisse euh, applaudir. Euh, ce pas facile de lancer le début de la soirée. Merci beaucoup pour cette première présentation. <music>